camarade de la chose ludique, je suis Simon du passe-temps, je suis avec la fabuleuse Lola et le talentueux Baptiste. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo que vous nous avez réclamée depuis fort longtemps. Et ben c'est parti, c'est maintenant qu'on va le faire, on va vous parler de nos 10 jeux préférés pour jouer à deux. C'est-à-dire que Lola, sous cette espèce... Alors voilà, parce que c'est quand même très étonnant, on a des montagnes de jeux couverts par des draps, c'est la montagne mystère. Sous ces draps se cachent nos 10 jeux préférés pour jouer à deux. Lola, tu as choisi 10 jeux que tu préfères pour jouer à deux. C'est ça, et je vous en ai pas parlé avant. Et on sait pas ce qu'on a pris dans notre Baptiste, pareil, tu as fait une sélection de jeux et on l'a pas vu. En mode tournez-vous, fermez les yeux pendant qu'on installait tout ça. Et moi-même, vous ne savez pas ce qu'il y a dessous. On va prendre 10 minutes pour se montrer les jeux qu'on a choisis les uns les autres et pour sortir une sélection des 10 jeux qui, s'il ne devait en rester que 10, eh bien, lesquels on prendrait. Donc, on a des jeux qu'on aime. Et il va falloir qu'à la fin, il n'en reste que 10. Alors, ça se trouve, on a pris parfois les mêmes. Il y en a qui vont se retrouver dans plusieurs listes. Ça se trouve d'autres, pas. Et là, justement, lesquels 10 on va garder. On a une petite installation sur le côté sur lequel chaque fois qu'on sélectionne un jeu, on le pose dessus. On n'a que 10 minutes pour garder 10 jeux. Un principe simple. Et pour débattre de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Donc, on va enclencher le chrono. Et à partir du top chrono, on va se montrer nos piles de jeux. Et c'est parti. On va discuter de lesquels on garde et lesquels on élimine cruellement. Vous êtes prêts? Allez, prêt pour la montagne de jeu, Lola? Allez, 1. 3, 2, 1, top chrono! Alors, qu'est-ce que vous avez pris, vous? Ah, Carcassonne, je l'ai aussi! Attends. Oui, mais c'est fabuleux! Mais il faut bien sur la boîte! Ok, alors déjà, sur ça, on est à peu près tous d'accord. On a tous Steven Wonder's Duel! La base! C'est la base! Ok, ça, ça marche! Ok. C'est sorti, c'est de la base! Alors ensuite, hey, on a vachement de trucs différents. Dominion, on a deux Dominions. Ah, quand même. Alors, deux Dominions, on est plutôt d'accord. Par contre, je suis très très surprise de l'absence de Five Tribes chez toi. Attends, on en parle. Mais j'ai shooté un Totten et Baptiste aussi. Ah oui, je l'ai aussi. Alors, tiens, on va le mettre là. Et tout le reste est différent. Ah la vache, on pensait qu'on en aurait plus quoi. Oh, ça va être affreux. Attends, alors combien de jeux en tout là différents? Ouais. 22, 23? Quelque chose comme ça. Il en faut que 10? Ouais. Mais c'est horrible. Ah, on va Arkham City, j'ai hésité. Bon. La base. Est-ce qu'on se met d'accord? Déjà, celui-là, on est tous d'accord. C'est Wonder's Duel, on garde. Ouais. Pour ça, j'étais sûr, on était sûr. C'est tellement bien. C'est de la stratégie, on construit, c'est super. C'est sûrement le meilleur jeu à deux qui soit. Ouais. Mais bon, après, on va pas faire un top 10, on va en sélectionner 10. Mais ça, on est tous d'accord. On y va, on garde. Je le rajoute dans la liste. Vas-y, mets-le. Hop, je le mets tout en haut pour la peine. Ouais, super. Ok. Ensuite, Mr. Jack, avant qu'il y ait Seven Wonders Duel. Alors, moi aussi j'ai Mr. Jack. Mais oui. Alors moi je bosse au passe-temps parce qu'il y a Mr. Jack. Parce qu'à l'époque je venais là, avant il y a 12 ans, 13 ans, je venais là avec un pote qui s'appelle Mickaël. Salut Mickaël, pour qu'on joue à Mr. Jack. Ouais. Il y avait Bruno et tout, on jouait à l'étage. C'est culte Mr. Jack, ouais, c'est un des plus vieux jeux, je trouve que... Fin... Bon, d'accord, on peut garder Mr. Jack. C'est obligé, c'est Bruno Catala, c'est le roi du jeu. Mais ça veut dire que du coup, vous garderez un de mes jeux à la fin. On verra. On regarde un de tes jeux si on est d'accord. Bon, ok, pour Mr. Jack. Allez, garde-le, mets-le. Non, mais même par en haut. Je sais pas, là, regarde. Là, super. On sent qu'il n'y a pas la place pour les grands. Alors, déjà, deux jeux dans ce top 10. Deux jeux de Bruno Catala. Oui. Parce que Mr. Jack, c'est la base, c'est l'enquête. C'est Jack l'éventreur, c'est l'inspecteur de police, qui est qui. C'est une sorte de c'est le thème du Cluedo, mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus tendu. C'est 20 minutes de partie, c'est fabuleux. Troisième jeu, qui pour moi, il n'y a pas de débat, hein, Dominion quand même, Dominion, on est d'accord. Dominion, il est obligé de pas. Franchement, c'est celui qui a créé le deck building, c'est un des meilleurs, c'est le plus rapide. Ça se joue à plus nombreux, mais honnêtement, c'est un jeu à deux qui ouais, se voilà. joue à plus nombreux. Il n'y a pas que. On y joue à deux, mais on peut y jouer aussi à jouer à quatre, à Dominion, c'est très bien, à trois aussi. Surtout, c'est d'une rejouabilité tonitruante. Rien qu'avec le jeu de base, on peut faire un nombre de parties incroyable, et puis il y a plein d'extensions, mais c'est génial. Déjà dans le top 10 à tous les trois, c'était sûr. C'était sûr. Allez, il n'y a pas de débat, et j'ai déjà plus de place. Bon, hop, du coup, moi j'enlève lui parce que c'est bon, on l'a déjà gardé. Ouais, exactement. Tiens ça. Qu'est-ce que quoi d'autre? Un truc un peu différent. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Ouais, alors ça, c'est ma montagne à moi. On voit plus rien. Ouais. Vous avez pas pris Kaylus? J'ai pris que du gros jeu. Mais non, mais il faut un peu de gros jeu quand même. Bon, moi j'ai envie de parler d'Anabi. Ah non, à deux, alors à deux c'est bien. C'est bien à deux, mais... J'explique pourquoi c'est bien. Anabi, j'ai fait quelque chose comme 350 parties. Oh là là. C'est sûrement le jeu auquel j'ai le plus joué. Je suis partie à l'étranger avec un an et voilà, c'est donc pour ça que c'est pratique. J'ai joué à 2, 3, 4, 5.
et ben en fait c'est jamais la même stratégie. Et c'est ça qui est trop cool. Et oui, à deux, c'est un jeu en fait de déduction, de mémoire, pourquoi il me dit ça, voilà. De coopération. Voilà, de coopération. Avec des cartes qu'on tient à l'envers, on voit pas ce qu'on a à la main. Et c'est super bien quoi. Et en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'à deux, il y a vraiment un effet où t'es bloqué. Mais c'est-à-dire oui que moi je te donne des infos et toi tu joues. Et du coup faut réussir à réinverser. Et ça, ça c'est vraiment très bon. Moi je trouve ça cool. Bon, n'oublions pas. Bon, attends, c'est, y a trop de trucs. Attends, Shoten Toten, c'est oui. C'est. Je. Bah, non, ah, non, si. Non, c'est évident, mais je peux pas c'est trop... dire je pars avec sur une île. Ah, mais si, clairement, ça prend pas de place. Je suis super moi, je suis parti avec sur une île. Ouais. C'était l'Islande, c'est une grosse île. Mais oui, Shoten Toten. C'est fabuleux. Ouais. Oh là là. Je laisse passer. Non. Bon, on le met de côté. Ok. 10 minutes, ça va être affreux. Attends, de quoi j'ai envie de parler? 6 minutes? Ouais. Oh la vache! Putain, y'en a trop! Ce avec bon. Moi, je suis très d'accord. Bon, Splendor, j'ai pas le droit de dire non. Moi, je pense que. Enfin, Splendor, c'est le premier jeu que je montre quand on me demande un jeu qui marche bien. Bah ouais, attention, c'est addictif. C'est... Alors, le thème est classique, c'est des ressources, on construit des bâtiments. Par contre, tu fais une partie, t'en fais une autre, ça s'enchaîne super vite. Le matos est super cool. Quand même! Allez, vas-y. Oui! Splendor! Vas-y. Hop, je le mets là. Vas-y. On a réussi à trouver des petites places. Alors, moi je parle de King Domino quand même parce que franchement c'est fabuleux. Mais y'a que du Bruno Catala. Alors attends, c'est génial. C'est affreux. C'est vrai que c'est Catala aussi. C'est affreux, on va pas l'éliminer juste passer Bruno Catala. Non, c'est trop bien. Après, trop de talent, monsieur Catala. Carcassonne. Ouais, en fait, avec la tour, moi je trouve. Avec l'extension là. Comme devenir, mais ça c'est bien le jeu à deux. Moi je. Ça c'est. Je sais pas quoi, une partie aussi. Ouais. Ouais, je suis désolée. Après j'ai fait plein de parties, mais je trouve que la tour elle rééquilibre vraiment pour jouer à deux. C'est plus tendu. La tour et auberge et cathédrale. Ouais, je suis d'accord. Après quand même, il y a quand même ça. Ouais, parce que. Alors ça, non mais c'est. Ça je l'ai mis parce que c'est plus Madeleine de Proust. Ouais. Parce que j'ai énormément joué en étant. C'est un des premiers jeux que j'ai eu. Finalement, c'est ici. Que j'ai acheté ici, j'ai joué énormément avec les gamins en colo, en animation, on faisait des parties énormes avec des tables en deux, des pièces entières en créant des décors avec les enfants, etc. Avec les plusieurs boîtes, donc c'était fabuleux, mais je pense qu'il sera pas là parce que, mais voilà. Moi ça j'ai hésité. Moi aussi je me suis dit soit Brave Rats, soit Horror Arkham. Rien à voir. Ça, dès que je vais dans un bar à jeux, j'ai 3 minutes, je fais un Brave Rats. Parce que c'est rapide. Mais après, je sais peut-être pas le dernier 10 meilleurs jeux à deux. Mais je peux pas ne pas le ramener, c'est juste fabuleux. Ça se joue en 3 minutes, alors vous en faites 2-3 parties d'affilée. Mais quand vous, quelqu'un découvre les jeux, vous faites jouer ça. Ça, c'est quand même assez. C'est super bien, c'est hyper immersif. On n'a pas de jeu coopératif. Ouais, mais moi j'en ai d'autres. Alors, Ghost Story, je trouve que c'est encore mieux à 3 ou à 4. Mais non, c'est mieux à 2, tu gagnes plus facilement à 2. J'ai gagné qu'une partie à 4. Moi, j'aime pas du tout Ghost Story. Mais toi, tu n'as aucun goût. Non, c'est trop du hasard. C'est un jeu de hasard, Ghost Story. C'est du chaos, c'est du hasard. C'est du chaos coopératif. Est-ce que du coup, niveau coopération, on se retrouve pas plus sur l'ambiance c'est hyper immersif. Il y a une ambiance, il y a un truc qui se passe. C'est au-delà. Voilà, comment on fait? On a raconté une histoire, quoi. Non, parce que le meilleur jeu coopératif de tous, non, c'est Mage Knight. Pas du tout. T'es fou. C'est coopératif. C'est très coopératif. Tu gères des points d'XP, tu gères des niveaux, de la réputation dans les villes, tu brûles des monastères, t'as des. C'est le jeu ultime, Mage Knight. C'est trop lourd, c'est trop gros. Mais oui, c'est un super gros jeu, mais c'est parti, ça t'occupe toute une journée d'hiver et tout, c'est incroyable. Bon, allez, faut qu'on se dépêche. Oh, bon. Moi je suis pour Horror Arkham. Lola, vas-y, tu as droit à ton joker. Bah ouais, ça fait deux fois déjà, hein. je suis pas contente de ça. Et ben je sais pas, vous allez pas être d'accord. Ou alors si, moi j'ai quand même ramené ça avec toutes les extensions parce que je l'aime trop. Et ça pareil, je suis partie à l'étranger avec parce que c'était trop gros ma boîte d'Agricola. Moi ça me va Agricola. Et ça ouais, vas-y, c'est vraiment trop cool. C'est quand même bien, et puis ça donne. Et puis même Agricola tout court, c'est très bien. C'est très bien à deux. Mais ce qui est cool, c'est que là c'est un Agricola en une demi-heure. C'est 20 minutes. Voilà. Vas-y, allez, c'est bon. C'est parti, on vote pour valide. Bon, il reste quoi? 2 minutes, même pas une trente? Une trente? Shoten Toten, Lola, quand même! Non, mais si, laisse passer pour Shoten Toten. Mais attends, t'aimes pas Shoten Toten? J'aime bien, c'est léger, quoi. Y'a même plus. Bon, combien il nous reste de jeux à choisir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Il reste 3, ok. Bon, un jeu à deux,
C'est vachement bien. Voilà, ouais, mais c'est bien, mais c'est pas. Moi, c'est pas deux, je préfère y jouer à plus nombreux, moi aussi. C'est vrai, mais c'est vachement bien. Moi, je le montre tout le temps. Je préfère y jouer à plus nombreux. C'est malin. 10 meilleurs jeux à deux. Bah ouais, mais c'est le truc, tu sais vachement où on est l'autre. Et ça, moi, j'adore. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, genre Picomino, pareil, c'est dans le genre, ça marche très bien à deux. Ah oui, Picomino, je l'avais même pas vu. Ouais, ouais. Picomino, moi, j'adore y jouer à deux parce que justement, tu maîtrises un peu plus et tu essaies de piquer les trucs de l'autre. Oh, il va rester genre une minute, un truc comme ça, une minute 30. On a pas mis Carcassonne, on a pas mis King Domino quand même. Hein. Ah, bah, on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Par exemple, si on veut mettre Mage Knight, on peut. Non. Mais c'est trop bien. Quand je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être passer à côté de Mage Knight à cause de vous. Mais non, mais c'est méga bien. Le quarto quand même dans les jeux à deux. Il n'y a aucun jeu abstrait. Dans les jeux classiques, dans les jeux à deux avec une. Si on essaie de garder 10 jeux, on met un peu de tout. Moi je suis un peu mauvaise, c'est pour ça que je l'avais pas mis, tu vois, mais sinon oui, c'est très très bon. C'est super riche, quoi. Après, moi je préfère Corridor pour le coup. Moi je préfère Camisado. Ah oui, Camisado. Ouais, mais Corridor, Quarto, c'est un Quarto, Camisado, c'est un peu ce celui-là, mais celui-là il est un peu plus ancré. Cataringa, tu vois, celui-là il est un peu plus ancré, je trouve. Qu'est-ce qu'on fait? On garde un jeu abstrait, on prend Quarto. Pas oublié, là. Ouais, si, c'est bien, Quarto. C'est parti pour Quarto. Five Tribes. Moi je trouve, hein, Five Tribes c'est le gros jeu qui marche à deux. Il y a pas trop de gros jeux là-dedans, là, regardez. Ouais. Enfin, moi s'il y a pas de gros jeux, je vais être malheureuse dans. Bah attendez, moi je ramène Kenus. Ouais. Attends, mais Race Force the Galaxy, quand j'ai demandé hier à mon copain quel jeu on commence à. Je fais une liste et je joue à deux, tu verrais quoi? Il commence et me dit, mais Race Force the Galaxy. Mais bien sûr. C'est de la combo, c'est d'une richesse folle, c'est d'une ergonomie affreuse. Ouais. Mais ça c'est fabuleux. C'est le gros problème que j'ai avec Race, quoi, c'est qu'il est vraiment. Il nous reste 20 secondes pour choisir. Alors, Five Tribes. Five Tribes, c'est parti. Ouais. Et King Domino alors? Où est-ce que je le mets? Non, pas King Domino, il y a déjà Agricolé, il y a déjà. Ah, oh, mais King Domino, c'est fabuleux. Bah déplace, pas là. Voilà. Non, mais je sais pas. 10 secondes, il y a 10 secondes. Carcassonne. Carcassonne, on peut pas faire ça. Carcassonne au King Domino. Carcassonne. Allez, on peut Carcassonne. C'est bon, c'est fini. Ouais, mais c'est fini. De toute façon, on est pas d'accord, je pensais qu'on aurait plus de doublons. Ouais, mais je pensais que vous aviez meilleur goût aussi, tu vois. On est horrible, on est affreux. Ouais. Bah encore une fois, bah, c'est très subjectif, hein. C'est subjectif, c'est de la c'est de la vie générale. Je trouve assez objectif quand même ce top pour le coup. Non mais regarde, il en reste plein et ils sont tous très bons. Il y a aucun raté là-dedans. Ah ben non, c'est le jeu préféré, il n'y a pas d'erreur. Ouais. On se retrouve avec un jeu abstrait, un jeu de deck building, la base du cœur du jeu. Dominion. Five Stripes. Ouais. La gestion, de la tactique. Un peu costaud, mais pas trop. Carcassonne, le jeu par excellence, addictif. Le classique, on se bloque les uns les autres. De la coop, de l'aventure avec Aurore Arkham Vicieux. Surtout un jeu qui évolue au fur et à mesure des parties. Sans doute ce qui restera, pour l'instant, assez incontesté comme un des meilleurs jeux à deux. On construit Super Tendu, c'est Seven Wonders Duel. Je vois pas comment ça pourrait être détrôné. J'étais sûr qu'il était l'endroit. Un jeu d'intrigue, d'enquête, un peu de bluff, Mr. Jack, avec ce côté asymétrique qui est quand même super intéressant. Ouais, on a pas les mêmes rôles, pas les mêmes pouvoirs. Dans les jeux de gestion assez légers, Agricola et Terre d'Arrivage. Ouais, puis c'est. Agricola, comme Splendor, c'est nerveux, c'est rapide, c'est dynamique, on voit ce que fait l'autre, on peut se bloquer, c'est un peu la course à l'étoile. C'est très très épuré en fait par rapport à Agricola pour le coup, la version à deux joueurs. Il n'y a plus que les animaux et du coup c'est vraiment chouette. Et Shoten Toten quand même, qui dans les petits jeux qui jurent 10-15 minutes, tu fais plein de parties d'affilée, même si on n'a pas gardé Brave Rat, ça reste assez. Moi j'ai beaucoup d'amour pour The Game Duel quand même, même si c'est dans. On n'en a même pas parlé. En fait, moi j'aurais pris The Game tout court. J'hésitais à The Game. Alors j'étais persuadé que Baptiste aurait pris The Game, tu vois. Il fallait en prendre 10 et. Mais bah ça c'est trop récent, j'ai pas encore assez joué. Tu vois, parce que The Game c'est très bien à deux, mais c'est très bien à plus aussi, donc je pense qu'il sera dans d'autres catégories ailleurs. Toi tu regardais The Game Duel plus que The Game encore parce qu'en fait je le trouve très très drôle. Vraiment à essayer de bloquer l'autre et je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose à deux. Alors moi la coop à deux j'adore ça, mais du coup là celui-là je le trouve qu'il sort du lot quoi. Ok. Bon. Il aurait peut-être pu prendre la place de Shoten Toten, mais c'est trop dur. Vous êtes trop vieux avec votre. On est trop vieux, voilà, c'est ça. Bon, on a 10 jeux, ben voilà. Ça c'est fait. On a besoin maintenant de vos commentaires pour savoir dire ça nous a plu, ça nous a pas plu, on a aimé, on n'a pas aimé, et ce jeu là vous l'avez oublié parce qu'on en a sans doute oublié. Regardez, on n'a même pas parlé des châteaux de Bourgogne quoi. Tellement bien. C'est bon, c'est triste, on n'a même pas le temps de parler. Il y en a trop, quand moi j'ai fait ma sélection, je fais ah il y a celui-là, ah il y a lui aussi, il y a lui aussi. C'est et ça. Du coup, en prendre 10, c'est. Voilà quoi, hein, c'est. Ah ouais, t'es obligé de prendre Kélu, c'est Château de Bourgogne. Voilà, donc on a besoin de vos commentaires, de tout ça pour. Et puis du coup,
En suivant, on fera les autres. On parlera sans doute des jeux coopératifs, de plein d'autres choses. Mmh. Mais justement, dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez voir comme sélection. Peut-être des jeux d'ambiance. Ouais, peut-être des jeux d'ambiance, tout ça. Hein, des jeux où on fait la chenille, on fait des petits dessins. Qu'est-ce qu'on rigole. Voilà. Merci à vous. À la prochaine. À bientôt. Salut. Salut les gens.